D'accord. Je pense vers 7-8 heures, ok? Ok. Bonne journée. Bisous. Je t'aime. Moi aussi. Bisous. Courage. Ciao. Merci, courage. Merci. Allô? Allô, oui, ça va? Ça va et toi? Ouais, dis-moi. Bah, apparemment, je suis enceinte. Pourquoi? Je suis enceinte. Comment ça? Bah, j'ai fait. Ce matin, j'étais pas très bien et tout. Je vomissais un peu tout ça et du coup, j'ai fait un test et. Et il était positif, et du coup je suis allée en racheter, et bah, ils sont tous positifs, donc bah, je suis enceinte, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais tu... Mais c'est sûr, hein, ce test-là? Bah ouais, non, c'est des trucs... C'est des trucs quoi? Bah c'est les trucs à 99%, enfin c'est fiable, quoi. Putain, mais... Tu vous protégez pas, les patients? Si, enfin, on fait attention, quoi. Et quoi, il est au courant? Non, je vais pas dire, rentre ce soir. Oh putain. Il va aller
dessiner, non? Je sais pas. Je sais pas. Je suis perdue là, je comprends rien. Putain, c'est compliqué là, non? Je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Pas, mais c'était. Enfin, je sais pas, vous en aviez peut-être discuté, mais voilà, je sais pas. Bah, on en a discuté, mais pour dans longtemps, tu vois, pas pour maintenant. Ouais. Là, c'est compliqué, là, c'est un peu tôt, quoi. Je sais pas. Mais ça va? Bah, je sais pas. C'est où, là? Je suis chez moi. Il rentre à quelle heure, mais ça? Ce soir, je sais pas, vers 19h-20h, mais je sais pas, je suis trop stressée là. Ouais, c'est pas grave. Mais il va falloir prendre des décisions et tout, je suis perdue. Ouais. Je suis un peu choquée, quoi. Bah ouais, moi aussi. Non, c'est ça va aller. Hein. Allô? Oui. Je sais même pas ce que je dois faire là, si je dois appeler le docteur ou... Je sais pas. Mais de toute façon, quoi, appeler le docteur pour faire quoi? Bah, je sais pas, il faut faire une prise de sang ou un truc, je sais pas. Ouais, ok. Mais. Et... Sans que tu vois le patient, je sais pas quoi faire, là, je tourne en rond. Sortir, là, de prendre l'air un peu, là. Ouais, je vais sortir. Comment? Ouais, je vais sortir, je pense. Ouais. Merde, tu me rappelles, ok, je suis au boulot, là. Ok, tu dis rien à papa et maman en tant que je... Non. Ok. Ok. Bon, rappelle-moi, ça, okay. Ça va aller. Hein, okay. Ok. Merci, allez, bisous, ciao. Ouais.
travail, toi. C'est quoi cette petite mine? Oula. Attends. Vas-y. Hey. Salut. Ça va? Désolée de vous déranger. Mais t'inquiète. Ça va? Ouais, félicitations, au fait. Ben merci. Pour la demande, c'est trop bien. Ouais. J'ai hâte. Et toi aussi. Ça a l'air compliqué ce que tu fais. Mais non, c'est pas compliqué. Hein. Ah ouais. Bah ouais, j'écoute. Il faut bien bosser pour. Pour économiser et son pour bureau. Pour économiser pour le mariage. Mon bureau. Exactement. Ah ouais, c'est pas pareil. Ouais. Mais toi, il est plus feng shui, je trouve. Ah bah oui. Avec plein de chocolat. Ciao à toutes. À ciao. Toutes. Ciao. Tu m'enfermes? Je t'enferme, tout à fait. Ça, c'est ma. Hop. Oui, comme ça, moi, on les laisse tranquilles. Et on parle un peu, il a l'air un peu. Un peu genre. Pas du tout bien. Ça va? Ça va, attends, je bois. Ouais, bois. Qu'est-ce que t'as? T'es super chelou. Oh, attends, je desserre ça. J'ai pas. Enfin, j'ai le temps. Pour toi, j'ai le temps. Mais j'ai pas. Non, mais j'ai pas énormément de temps, juste parce que je bosse, donc... T'inquiète. Mais voilà, t'as 3 secondes, hop. Je suis enceinte, hop. Quoi? Je suis enceinte. Quoi? Non, c'est pas une blague, je suis enceinte. N'importe quoi. Je te jure, je suis enceinte. Tu te fous pas de ma gueule? Non, je me fous pas ta gueule. Tu te moques de moi? Non! Mais c'est pas possible! Ah, mais si, c'est possible. Oh my god! Mais c'est trop. C'est je sais pas, c'est bien? C'est bien? Non, c'est pas bien. Je sais pas, je suis. Oh my god! Ok, comment tu te sens? Au bout du rouleau. Parce que t'es sous choc, parce que tu t'attendais pas à ça, c'est normal, c'est normal! C'est normal. T'imagines que t'étais... Ah, ok. Ah, je suis enceinte. Bon, bah, cool. C'est fait. C'est normal d'être sous choc. Hey. Oh. C'est normal. Ça va bien se passer. Dans tous les cas, dans n'importe ce que tu vas faire, ça va super bien passer. Ouais. Capito? Ouais. Ok. Attends, moi aussi, je vais monter de chaleur. Ah, j'ai chaud. En plus, j'ai la gerbe, je te jure. Mais tu l'as découvert comment? Ce matin, je faisais que vomir et tout, donc j'ai fait un test et c'était positif. Et j'en ai fait 3 et les 3 étaient positifs. Oh, vache. Tu l'as dit, boss? Non. Ok. Oh my god, un bébé, qu'est-ce que je vais devenir? Eh ben, maman. Voilà. Oh my god. Tu veux le garder? Oui, non. Je sais pas. On sait pas. Ok. On sait pas. C'est bien. On va passer par là. Après un moment, tu vas prendre un choix, une décision. Tu vas faire un choix et ça va être la bonne et c'est tout. Mais à part le choc, comment tu te sens? Est-ce que... Je sais pas. T'as peur? Oui. Ouais, j'ai grave peur. Ok. Est-ce que t'es quand même un petit peu... Est-ce que t'arrives déjà... Tu viens de les découvrir, donc c'est normal que t'es sous choc, mais est-ce que si t'essayes de te projeter juste un instant, t'y arrives et t'es quand même un petit peu contente ou juste ça te fout la trouille et c'est tout? Ben, d'un côté, je sais que de toute façon, je voulais un bébé, tu vois, d'ici... Ouais. Je sais pas, 2 ans, tu vois. Donc, je me dis, bon, ben, si ça arrive maintenant, c'est peut-être que ça doit arriver maintenant, tu vois. Mmh. C'est rien. Et en même temps, je me dis, ça fait qu'un an qu'on est ensemble. On n'a pas trop profité. Oui, non, ça va être un truc... Oui, mais bon. C'est... Ah non, c'est pas rien. Vous êtes super bien. Vous êtes juste super bien ensemble. Vous êtes fous amoureux. Si vous le êtes... Je me suis lancée dans du conditionnel. J'ai mes neurones qui sont... Ah! Mais si vous allez être parents maintenant, vous allez être juste extraordinaire. Il va être... Enfin, mais vraiment, mais je pense vraiment, elle va avoir une chance de ouf.
Si je pouvais choisir, j'aimerais bien renaître votre bébé. Ça va être juste génial. Si c'est ça que vous voulez. Mais t'as le temps aussi. Hey. Calme. T'as le temps de choisir. T'as le temps de comprendre qu'est-ce que tu veux. Tu vas voir aussi Bast comment il... Non ? Comment réagit. Même si, bon, j'imagine, franchement, en le connaissant un petit peu. Mais... Comment je vais faire? C'est une belle chose. En fait, toi, tu pleures. Moi, je souris depuis 30 minutes. Je suis en mode, on va avoir un bébé. T'es trop mignonne. Non, écoute, après, j'ai pas besoin de te le dire, mais n'importe ce que tu fais, moi, je suis là. Il n'y a pas un bon choix, un mauvais choix. Si jamais tu décides de le garder, bon, moi, je vais être un peu contente. Tati pizza. Mais si c'est pas le cas, bah ça va l'être dans le futur. Donc ça change rien du tout. Enfin, ça change rien du tout, tu vois ce que je veux dire. Je pense à moi. Non, mais écoute, là, t'as besoin de quand même digérer la nouvelle, élaborer la nouvelle, parce que c'est un trou juste énorme. Donc laisse-toi le temps. Pense pas. Hein? J'arrive pas à me dire qu'il y a un truc qui pousse dans mon corps. Ah oui, mais c'est normal, tu l'as découvert il y a quelques heures, quoi. C'est un truc que t'as jamais senti un truc pareil, ni physiquement, ni mentalement, émotionnellement. C'est la première fois, t'as jamais été enceinte, donc sois gentille avec toi, quoi. Laisse-toi le temps, c'est normal d'avoir un peu même peut-être de refus, je sais pas. Parce que moi, ça m'est jamais arrivé, mais... Eh ben... Pardon, moi je suis en train d'élaborer moi encore, donc j'imagine toi, tu dois avoir un bouillon dans la tête. J'ai perdu. Hein? Je suis perdue. Mais t'as besoin de passer par là, c'est normal. Permets-toi d'être perdue et fais un step à la fois. Là, tu me l'as dit. Donc les steps plus importants étaient faits. Je te l'ai dit, je l'ai même pas dit à Mastiro. Ouais. Mon cœur ? Oui ? Ça va ? Ouais, je suis dans la chambre. Oh, putain, j'arrive, j'enlève juste mon fut là parce que je crève de chaud là, j'en peux plus. Oh my god ! Il fait chaud là, non ? T'as mis le chauffage ou bien je rêve ? Non. Ça va ? Ça va et toi ? Oui. Mouah. Alors ? Écoute, hyper bien passé. Je crois que le client est vraiment hyper content de, en tout cas, de ce que tu lui ai proposé. Après, faut que je dérush, faut qu'on voit les plans et tout, mais faut que je fasse un petit montage aux petits oignons et puis ça devrait le faire, quoi. Mais je pense qu'il y a même moyen qu'on retaffe ensemble. Enfin, il avait l'air vraiment hyper, c'était hyper fluide en tout cas. La relation et tout, c'était trop génial. Donc je suis trop content, trop bien. Trop cool. Ouais, je suis bien crevée. Et toi, ça va ? Ça va, ouais. Ta journée ? Ma journée, écoute. Je te l'ai pas dit avant parce que je voulais pas te t'inquiéter. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Non, t'inquiète pas. Je voulais te le dire en face. Je suis enceinte. Sérieux? Oui. Donc voilà, j'ai passé la journée à... Mais t'es sûre? Ouais, j'en suis sûre. J'ai fait 3 tests, j'en suis sûre. Ok. J'ai vraiment passé la journée à flipper, à me triturer le cerveau, à me poser 1000 questions. Franchement, c'était compliqué aujourd'hui, vraiment hyper compliqué. Ouais. Et qu'est-ce que tu veux faire? Je veux voir avec toi, je veux qu'on en parle. Okay. J'ai commencé la journée en me disant c'est pas envisageable. Ouais. Et puis, plus je réfléchis et plus je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas quoi? Pourquoi pas le garder? Enfin, je sais pas. Je me dis. Vraiment?
Je sais pas, je te dis ça, j'ai changé 1000 fois d'avis aujourd'hui. Ouais, ouais. Enfin, et après, je me suis dit, on est bien, on est heureux. Ouais. Je sais pas, je te dis ça là. Mais je sais pas, ce soir, je me dis, écoute, vas-y, tu sais quoi. De toute façon, ça aurait été quoi dans 2 ans? Oui. Je sais pas, je me dis. Je sais pas. Après, c'est peut-être un peu fou. Je sais pas. Après, je me dis, personne n'est jamais vraiment prêt pour ça. Oui, c'est de toute façon. Je sais rien. Donc, voilà, faut qu'on en parle. Moi, bon, après, je suis fatiguée, je te dis. J'ai passé la tête à réfléchir, je suis crevée. Mais c'est sûr. Qu'il est là? Oui. Oui, c'est sûr. Enfin, j'ai pas fait de prise de sang. Mais c'était combien de temps? Je sais pas, sur le test, il y a marqué 3 semaines et plus. Mais je sais pas exactement, je sais pas. Ok. Je sais pas. Ben... Toi, tu penses quoi?